Résidence haut de gamme à destination des seniors, la Villa Médicis a été inaugurée le 11 octobre dernier en présence de Joël Sécadi-Reynaud, maire de Puteaux, et de la famille Rouy, dirigeant du groupe Ségère. Premier ensemble à s'élever au sein de l'écoquartier des Bergères, cette résidence de service relève avant tout du pari. C'était une grosse prise de risque, oui et non. Oui, dans le sens où il fallait croire dans le projet du quartier. Non, dans le sens où le projet tel qu'il avait été monté avait tous les fondamentaux pour permettre d'aboutir à un beau quartier, une exigence architecturale au niveau de la ville de Puteaux qui a été tenue envers et contre tout et qui permet de qualifier d'office ce quartier et de le faire apparaître comme un quartier en devenir et déjà de bon niveau à Puteaux. En effet, la ville a particulièrement veillé au respect du cahier des charges de l'écoquartier. Dans la première opération de l'écoquartier, on avait aussi une certaine responsabilité à montrer le chemin, si on peut dire, notamment sur le respect du cahier des charges architecturales, mais aussi sur la conduite des travaux, puisque dans le cadre de l'écoquartier, on a respecté un cahier des charges très strict par rapport à toutes les problématiques du chantier durable et responsable. Ouverte depuis février dernier, cette résidence propose en location meublée 98 appartements allant du T1 au T3. Et toutes ces prestations haut de gamme vous sont réservées si vous avez déjà fêté vos 60 ans.